Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment résoudre un exercice en Python donc qui met en jeu des fonctions et des chaînes de caractères. Alors voici l'énoncé. Donc, il s'agit de coder une fonction qui s'appelle correspond, qui permet de savoir si un mot correspond à une deuxième chaîne de caractères qui s'appelle un mot à trous, dans lequel il peut y avoir des étoiles. Dans l'énoncé, il est dit que si une étoile peut être remplacée par la lettre qu'il faut, par exemple ici un R, et là cette étoile-là par un T, ben, on va dire qu'il y a égalité, que la correspondance marche bien. Dans ce cas-là, on dit true. Puis si ça ne va pas comme correspondance, on dit que c'est false. Alors, on va en réfléchissant un petit peu à ça. Donc là, on doit comparer deux textes et savoir si ça correspond. Alors la première chose, donc c'est pas dit, mais si les mots ils font pas la même taille, il ne peut pas y avoir de correspondance. Hein. Ici, c'est impossible de faire correspondre. Donc, les mots qui ont une taille différente, ils ne correspondent pas. Alors, une fois qu'on a écarté ce cas-là, pour que ça corresponde, il faut que lettre par lettre, soit on ait une égalité, i égale i, n égale n, f égale f, etc. Et quand on a une étoile, donc un trou, bah, on se moque de savoir ce qu'il y a en face, puisqu'on pourra le remplacer par ce qu'il y a en face. Donc, deux autres exemples qui ne sont pas donnés dans l'énoncé. Bah, si on a deux mots identiques, il faut qu'ils correspondent, puisque chaque lettre, voilà, les mots ils font la même longueur et chaque lettre correspond, donc là on devra dire trou. Et si on a deux mots qui font la même taille, on a beau avoir une correspondance, donc ici par un trou, égalité, etc. À partir du moment, dès qu'il y a une différence, dès qu'on trouve une anomalie, on dit que c'est false. Donc que c'est faux, qu'il n'y a pas de correspondance. Alors le plan de bataille, donc nos étapes, ça va être quoi? Déjà, on va commencer par regarder si les mots ils ont une longueur différente. Si c'est le cas, c'est false. Ensuite, on va regarder chaque caractère et on va se dire, voilà, si c'est un trou, il n'y a pas de problème. Si c'est pas un trou, donc dans une étoile, dans le caractère étoile, on va regarder, est-ce que c'est le même caractère des deux côtés, dans les deux mots? Si c'est le cas, il n'y a toujours pas de problème. Par contre, si on a une différence, ben là, on dira que c'est faux, ce ne sera pas la peine d'aller voir plus loin, on sait que le mot ne pourra pas correspondre. Et une fois qu'on a vu tout ça, si on n'a trouvé aucune anomalie, bah on dira que le résultat est bon. Alors notre fonction, donc elle s'appelle correspond. En entrée, elle va prendre le mot à trou, et en sortie, on aura un booléen qui sera true s'il y a correspondance ou false sinon. Donc on va regarder ça maintenant avec Python. Donc je vais commencer par faire une première modif. Voilà, on va retourner trou. Voilà, on trouve si on cherche aucune anomalie, bah, on dit que c'est trou tout le temps. Donc là, on répond pas à l'énoncé. Et donc maintenant, on va commencer à tenir compte des anomalies qu'on pourrait trouver. Alors la première anomalie qu'on a dite, c'est il faut on regarde les longueurs des deux paramètres. Donc on va regarder si la longueur de mot elle est différente de la longueur de hop, mot à trou. Dans ce cas-là, on est face à une anomalie et donc on va faire un return de false. On s'arrête ici, c'est pas la peine d'aller plus loin puisqu'on a déjà trouvé un souci. Donc là, si j'exécute ça, voilà, quand on en a une différence de taille, on voit que dans le deuxième cas, là, ça marche pas, c'est normal, ils n'ont pas la même taille. Alors après, maintenant il va falloir qu'on compare toutes les lettres une à une. Donc pour faire ça, il va falloir qu'on utilise un indice, parce qu'on va devoir aller récupérer une lettre, la première lettre du premier mot, du mot, et la première lettre du mot à trou. Alors on va se donner un indice, par exemple for IND, in, on va faire un range donc de la longueur de mot. Comme les deux mots ils ont la même longueur, l'indice il sera valide. Donc l'indice IND il va aller de 0 jusqu'à longueur moins 1. Alors on va comparer. Est-ce que il y a une différence? Donc si mot de IND il est différent de hop, je suis feignant, je fais un copier-coller mot à trou de IND, bah dans ce cas-là, il y a une anomalie. Donc on va faire return false. False. Voilà. Donc on peut faire fonctionner comme ça. Alors là, c'est pas la solution finale, parce qu'on n'a pas encore tenu compte des trous. Hein. Donc là, voilà, on a
false, true, false, true. Ici, on dit que c'est false. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé ici le true. Bah, on l'a considéré comme un caractère normal. On a dit son différent, donc on dit que c'est false. Donc là, finalement, pour avoir une vraie anomalie, il faut que, en plus, and, donc, mot true, voilà, toc, mot true, il faut qu'il soit différent du joker, de l'étoile. Alors là, donc, pour avoir une anomalie, il faut que les deux lettres soient différentes, et en plus, il faut que le mot true soit pas l'étoile. Donc on va refaire fonctionner ça. Donc voilà, donc on a bien true, false, true, false. Donc là, manifestement, on est arrivé à la solution. Donc sur ce, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir.